Fiona is going to do a short demonstration of her abilities, and after that, we're going to show the workshop. This first part is going to last for about 15 minutes. So again, you're going to see a short facial from Fian.
Et voilà. So now we're going to start the workshop. This is the main goal today. And this is to celebrate the wellness weekend. So follow me. Don't leave. Prepare yourself. You have to get a chopstick like this. Okay? And your massage oil. And I'll be ready in 5 minutes. So don't leave us. Stay with us. And today you're going to take care of yourself. Alors aujourd'hui, vous allez prendre soin de vous. On va faire un atelier en massage ancestral avec la baguette. Alors ne quittez pas. On va être là près dans 5 minutes. D'accord? Ou peut-être moins. Ou peut-être moins. Voilà. Alors on va laisser Rita se rhabiller. À tout de suite. Alors, pour ceux qui connaissent Fionn, Fionn est une spécialiste du facial. Fionn fait, gloire à son métier, gloire à son travail, avec tous les honneurs qu'elle a gagnés, comme vous pouvez voir. Mais quand même, on a glorifié notre petit Bouddha de toutes ses médailles. Elle a eu 6 médailles dans des participations à des concours internationaux et ça lui a permis de faire connaître son travail un peu plus au niveau international. Donc Fionn est souvent invitée dans des resorts ou des grands hôtels pour faire des formations auprès de différents participants. Alors, on donne des formations, évidemment, un peu partout au Canada, en France et partout où on est invité. Alors, Fionn est maintenant bientôt prête à faire sa démonstration de self-massage ou d'auto-massage. So, Fionn is going to do an auto-massage and she's going to try to explain how to do the auto-massage. And how to help you use some of her techniques to improve your facial. And this part of the event will be translated in English, French, and hopefully in Spanish as soon as our friend will be ready. And that's about what's going to happen. So Fionn is really specialized. Well, Fionn, maybe you can explain exactly what you're doing and where you're doing it. So I'm specialized in the facelift massage. It's a heritage from my family and also from great master like Dr. Shogo Mochizuki and all the master like Professor Bui Korchow. Specialized in the reflexology facial. So it means that my massage is not only to work on the muscles part. There are over 40 muscles in the face part that give us all the expression. But we also work on the meridians like this, you see. They are like cables or string that where energy would flow. And I, as an artist, I will play on the string like a guitar, but because for me, the human being is the most precious work of art, and we are a piece of art, let's say. And playing with the string will help you to reconnect. So Rita is ready, and she will be the one who will explain everything in Spanish about the workshop. Okay? Si tu veux, tu peux un peu parler de les bienfaits, voilà. You know, all the benefits of the facelift massage is very important, it's essential, because all our, everything is on the face, on the head, the brain, our eyes, you know, to see and smell, the nose, and the ears to hear, and the mouth to speak, and to eat also. Everything is on the head part, so it's good to stimulate the circulation and everything. So she's gonna explain in Spanish. Ah?
en español, por favor. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar un poco del masaje que da Fian. El masaje de la cabeza, ¿okay? Y de la cara tiene importantes beneficios para el bienestar general de quien lo recibe. Es un lifting y es un rejuvenecimiento de la piel madura y seca. Afina el óvalo facial y reduce la papada. Energiza la piel cansada y apagada. Reduce las arrugas y las líneas de expresión. Rellena la piel y le da un aspecto radiante. Purifica y desintoxica las pieles jóvenes. Activa la circulación. Ayuda a mejorar la oxigenación y a eliminar los productos de desechos metabólicos. Relaja profundamente los nervios y ayuda a combatir el insomnio. Alivia el estrés y el dolor del cuello y hombros. Relaja la mandíbula cuando está tensa. Reduce los dolores de cabeza y las migrañas. Mejora ciertos casos de parálisis facial también. Activa los sentidos del olfato, del oído, la vista y el gusto. Favorece la meditación y la concentración. El masaje gestual Yin y Yang y la obra de Bote, la obra de la belleza, es una auténtica enciclopedia de caligrafía. Es un testamento del arte, de la danza del sudoeste asiático, donde gestos milenarios combinan a la perfección la destreza de una técnica de sabiduría ancestral con la medicina tradicional china y moderna. Belleza y salud se celebran en unos pocos movimientos, medidos en cuatro tiempos, al ritmo de la música interior, del cuerpo a la mente. Este masaje está diseñado para realzar la belleza a través del bienestar general. No olviden que Fian estará en España, en Marbella, el 6 y 7 de octubre, en el campeonato de masaje. Campeonato Ibérico de Masaje. Ofrecerá un taller de lifting ancestral. Se pueden inscribir en la nueva página web de la Asociación de Masaje. También estará en el Beauty Forum París en el Hotel Pullman, en París, Bercy, el 9 de octubre, para una demostración de masaje a cuatro manos con el señor David Grand, que es el campeón francés y juez en el Campeonato de Francia de Masaje. Alors là, je suis en train de juste travailler le réchauffement de la peau. I'm just showing you to start warming up the skin, the face, the head only before we do the lifting. Alors avant de lifter, je fais juste de travailler le réchauffement. Si tu veux, tu peux expliquer en espagnol. Ok, ella está haciendo una demostración, ok, de un lifting, ok, ella parte, ok, desde el principio del labio y nos dirigimos hasta, ok, el comienzo de las orejas, eso es un lifting, ese lifting lo podemos hacer todo el tiempo, cuando llegamos a la parte de la oreja, en ese momento comenzamos a hacer un drenaje. Oui, alors je fais du drainage, c'est important de drainer avant de lifter, sinon toutes les toxines vont remonter et là ça va,
ça va créer les congestions. Voilà, alors on amène tout vers les oreilles. Tu veux? Lo llevamos todo, ok, hasta la oreja para hacer el lifting. Les élèves savent que les oreilles, c'est important. Sí, es muy importante, ¿eh? De llevarlo, okay. Porque si no, okay, si no hacemos el drenaje, las toxinas se van a acumular. Là, je vais juste dégager au niveau du front. Alors, j'appuie mon front sur les doigts et puis je l'amène vers le front. So I'm just really releasing the muscles on the eyebrows. And bring it, relax the forehead and push over the top of the head. This is done very gently. It's on a pushpa. What I do is I don't move much my hands. What I do is my head that is moving like this. Okay? So I'm inhale and then exhale and just bend your head. ¿Tú puedes explicar en español? Ella está haciendo, ¿ok? Ella va a abrir su frente, ¿ok? Tiene que ser suavemente. Ella inspira y expira, ¿ok? Inspira. Expira, bend the head. Y baja la cabeza. Voilà. Now. Hasta y llegar tomba. Al... temporal. Los tímpanos. This is just to warm up and also do the drainage. C'est pour réchauffer la peau, la circulation et faire le drainage. Voilà. Para hacer el drenaje y para reposar la piel. Maintenant, on va travailler un petit peu plus la mâchoire pour défaire la mâchoire serrée to release the, clench your teeth. So, vamos a relajar la mandíbula. Sí. La mandíbula está muy, muy intensa. Ahora la vamos a relajar con movimientos. Sí. Alors, on va mettre les pouces en dessous du menton comme ça pour tenir la tête. Lo sostenemos, ok, con el pulgar. Et avec les quatre doigts. Con los cuatro dedos. En place au niveau de masseter. Lo colocamos en la medida de los masetarios. So you put your thumb under the chin and then your four fingers on the masseter. And now what you're going to do, alors ce que vous allez faire, c'est juste baisser votre tête. Alors on inspire, you inhale. Expiramos, bajamos la cabeza. Exhale, voilà. Expiramos. On baisse la tête. Ça fait que la main reste comme ça, c'est la tête qui bouge. Comme ça, c'est relax. La mano queda fija, es la cabeza quien se mueve. Et vous avez votre coude sur la table. Los codos sobre la mesa. Voilà, you have your... Comment tu dis le coude? Elbow. Your elbow on the table, then you just relax. This way, and you bend your head, you move your head. Yes. Say yes. Como si dijéramos yes. Sí. Inspiramos y expiramos. Sí. Sí, I love it. Oh, comment tu dis, quiero. So, j'aime. Oui, à la vie. Yes, to life. Decimos sí a la vida. Sí. Eso. Comme ça. Así. Like this. Okay? And you can open a bit your mouth because if you close your mouth, it's going to be too tense. Alors il faut ouvrir un petit peu la bouche, sinon ça va être trop serré. Hay que abrir un poco la boca porque si no va a estar muy muy cerrada y va a haber presión. Ah. Maintenant on va travailler le nasogénien. Nasogénien over here, this part that people don't like. So you're going to put your thumb underneath. Vous allez mettre vos pouces en dessous. Avec les deux doigts, vous allez basculer la tête. Para trabajar el nasal. Bajamos la cabeza y hacemos presión. Inspiración y expiración. Voilà.
Cuando inspiramos y expiramos, hay una oxigenación. Maintenant, on va travailler les yeux, los ojos. Et on bouscule la tête encore. On va bousculer la cabeza. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Et continuons à faire, ok? On lifting para hacer voilà. Drainage. On draine. Drainage. Drain. 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 So you see, it's my head that is moving. C'est ma tête qui bouge, c'est pas mon bras. Je ne veux pas me fatiguer. Voilà. Et su cabeza quien se mueve. Et là, on va ramener la lymphe jusqu'à la clavicule. Bring the lymph to the collarbones. Llevamos la lymphe hasta la clavícula. Si. Voilà. Para continuar el drenaje. Ça va? Now we're going to work on the ears. Massage the ears. C'est dur à voir comme ça, Fiano. Massage de oreja. Donc, faites-le à votre façon, comme vous pouvez. Il faut couvrir tous les oreilles. Do it the way you can. You have to cover all the ears, both ears. Okay, it's going to warm you up. It's going to heat. You're going to bring heat to the body. And this is how you awake up the energy of qi. Alors, ça va vous réchauffer le corps. C'est comme ça que vous allez réveiller l'énergie du qi en massant les oreilles. Haciendo el masaje de las orejas, vamos a calentar el chi o el ki, que es la energía. Lo pueden hacer todo el tiempo. Voilà, si vous êtes fatigué, vous ne savez pas quoi faire, massez-vous les oreilles et vous allez avoir beaucoup d'énergie. Si vous avez froid, oui. Si ça fonctionne. Si tienen frío, si están cansados, pueden hacerlo y va a funcionar. So, if you are cold or very tired, you can massage your ears, it's going to wake you up. Voilà. Alors, on va juste réveiller la tête, les pensées, le cerveau. On va despertar la cabeza, le cerebro. Voilà. Wake yourself up, wake your brain. Just give a little bit a tap. On tape un petit peu, voilà, ça fait du bien. Et là, on amène tout vers l'arrière. Et llevamos toda la energía hacia atrás. Maintenant, on va un peu masser le cou, et là, on va commencer avec les baguettes après. El cuello, y después vamos a ir con los palillos. So, your neck need also love, need to relax. Just rub, easy. Okay, easily, just rub. There you go. Así, como ella les so I'm already hot, huh? We are. And j'ai chaud maintenant. J'ai toute la circulation qui est déjà faite. J'ai déjà un peu lifté. Mais je veux aller plus loin. Donc pourquoi les baguettes? Porque los palillos. Ella va a ir más lejos porque ya ella hizo el lifting, ya hizo drenaje y ahora nos va a mostrar, ¿ok? ¿Cómo podemos utilizar los palillos? Voilà, alors pourquoi les baguettes? Parce que je vais vraiment pouvoir travailler sur les méridiens comme ça, avec la baguette. Ça va me permettre de faire un déblocage, pour débloquer tous les nœuds et tout ça. Et aussi, avec la baguette, les points, je vais pouvoir travailler sur les points d'acupuncture quand vous allez apprendre. C'est sûr que je donne des formations complètes à ce niveau-là. ¿Me expliqué? Ok. Ella va a trabajar ahora con el palillo, ¿ok? Para ir a desbloquear todos los nudos que tenemos utilizando, ¿ok? Al mismo tiempo los puntos de acupresión. Voilà. Alors, je vais commencer pareil, comme pour le visage, je vais commencer à drainer avant. Alors, je vais faire du drainage partout sur mon visage. Je vais travailler sur un côté d'abord, comme ça vous allez voir la différence. Ella va a comenzar por un lado, ¿ok? Y va a hacer drenaje. So I'm going to use a chopstick to do the drainage, like every massage. Drainage before going deep to cleanse the skin. Okay, this is the way. You hold
with your left hand like this, and then you just go round and bring to the collarbones. On amène toute la lymphe à la clavicule en tournant comme ça. Haciendo, ok, trabajándolo en círculo, llevamos toda, ok, la linfa hacia la clavícula. Voilà, super. Para drenar. Maintenant, je vais aller en dessous ici, je tiens comme ça, voilà, facile. Et puis, je fais juste le va-et-vient comme ça. Et j'amène vers l'arrière. Voilà, je pars d'ici en dessous du menton et j'amène vers l'arrière. Ella lo pone en el mentón y va hacia atrás, bajando. On se fait pas mal. Faut une certaine pression, mais il faut pas se faire mal. Si vous faites mal, ça veut dire que c'est trop fort. Si se hacen mal, si les da dolor, quiere decir que no lo están haciendo bien, porque no debería de darles ningún dolor. Voilà, la bouche un petit peu ouverte, comme ça. La boca un poco abierta. Sinon, vous allez être encore stressé si vous gardez la bouche fermée. Si usted guarda si usted pone la boca cerrada, okay, on relaxe. No se va a relaxar, no se va a relajar, perdón. So, in English, open your mouth a little bit, don't clench your teeth, and the movement is just forward and back like this, okay? And if you feel, if you hurt yourself, it means it's too strong. So don't hurt yourself. Now we're gonna go from the chin to the ears here, and we're gonna drain. So. Ahora vamos a venir, okay? L'oval du visage. El óvalo de la cara. Voilà. Et continuons. Alors, je vais aller doucement. Je tiens bien ici comme un compas. Et j'amène vers les oreilles. Ella lo sostiene como un compás. Voilà. Lo lleva hasta el comienzo de la oreja. Et je tourne. Le da vueltas. Et regresa. Voilà. Je vais monter. Coin de la bouche jusqu'à l'oreille. Comme ça. Je tiens bien ici. Je vais subir desde el principio de la boca hasta la oreja. La même chose. Al principio era el mentón, ahora es, ok, la boca. Uh-huh. La boca. Ok. Voilà. Maintenant, je veux drainer un petit peu les liquides qui sont en dessous des yeux. Quand on a bu ou on dort pas bien, on pense trop, bah, on fait des cernes. Bah, moi, je pense beaucoup parce que je pense à vous. Mmh. Alors maintenant, je desserre ce matin. Ella va a drenar los ojos, ¿ok? Cuando estamos fatigados, se nota y es de esta forma que vamos a poder drenar. On va amener en bas, encore. Otra vez hacia abajo, a la clavícula. Dis-leur que si je dépoche, c'est parce que je dors pas, je pense trop à eux. Ella dice que cuando tiene los ojos fatigados es porque ella no duerme bien porque ella piensa en todos nosotros. So I'm just saying that I have under my puffy eyes. Yes, puffy eyes because I don't sleep well because I think too much of you guys. Voilà. Maintenant on va travailler ici parce qu'on va lifter les sourcils, on va l'amener vers le haut. Alors le mouvement c'est comme ça. C'est-à-dire à l'envers, comme ça, circulaire. Circulaire, et ça va être le lifting, ok, pour les cejas. Voilà, je fais ça, je continue, et hop, sur ma peau, voilà. Alors, je couvre, je peux faire les petits mouvements, I can do small movements, like this. Vous pouvez faire des petits mouvements et des grands mouvements. Voilà, le drainage. Et j'amène tout vers le bas. Ella lleva todo la clavícula. Là, je sens mon visage déjà comme ça, alors que je n'ai pas encore lifté, j'ai fait juste de drainer. Donc, je vois mon visage, cet œil descend. Je ne vois pas là, parce que la caméra est à l'envers, mais je sens. Voilà. Ella ve que ya tiene una diferencia.
Y voilà, ella no ha hecho todavía el lifting. Ah, je vous ai dit que je pensais trop à vous. Ya drenó. Ok, maintenant on va lifter. Ahora vamos a hacer el lift. Tu veux pas drainer l'autre côté un peu? Non, je vais continuer pour qu'ils voient la différence. Et ils vont le faire, ils vont le refaire après, par eux-mêmes, en regardant la vidéo de Massage Work. Ella va a hacer la mitad, ok, para que ustedes vean la diferencia. Alors, je vais travailler le menton ici. Ella va trabajar el mentón. Tu peux aussi dire en anglais les bienfaits du massage. Okay, massage of the head and face has major benefits for the general well-being of the recipient. Lifting and rejuvenating mature. Ah bon? Mature skin. And dry skin. Oh, mature skin. If old skin. Okay, refines the oval of the face and reduce jowls. Energize tired, lack luster skin. Alors, évidemment, si votre peau est terne, c'est une très bonne façon de remettre de la brillance à votre peau. Plump skin and gives it a radiant appearance. Purifies and detoxifies young skin. Alors, ceux qui souffrent d'acné or even people who have pimples and things like that, it's a good treatment to use. Obviously, you have to use a good face oil for that. Activate circulation, which is very important. Help improve oxygenation and eliminate metabolic waste product. Encore une fois, souvent, c'est une source de boutons ou d'acné. Les produits ou les intoxications qu'ils peuvent avoir sur la peau. C'est important de faire le massage régulièrement pour éviter ça. Provides deep relaxation for the nerves and help combat insomnia. Donc, ça aide à mieux dormir aussi. Relieve stress and pain in the neck and shoulder. Relax tight jaw, comme on a vu. Reduce headaches and migraines. Improve certain cases of facial paralysis. En effet, on a pu constater des améliorations probantes sur les paralysies de Bell, en particulier paralysie faciale. Ça aide. Avec l'aide des médecins, bien entendu, là, c'est pas... In English. It could help for facial paralysis, but you still have to consult your physician for that. But still, it's helping. It helps with meditation and concentration. So, la gestuelle yin-yang and l'œuvre de beauté massage is a veritable encyclopedia of calligraphy and a testimony to the art of dance in Southeast Asia, where 1,000 years old gesture perfectly combine to the skill of an ancient wisdom techniques with traditional Chinese and modern medicine. Alors, l'œuvre de beauté est quand même quelque chose où on voit la différence. Pauvre Fianne, va falloir qu'elle fasse l'autre côté aussi. I'm sure she's going to do the other side also, so she's going to bring her face at the same level on both sides. tu peux le dire en français, ici? Moi, oui. Oui, toi, okay. Sara. Fian sera en Espagne, en Marsella, le 6 et le 7 octobre, au championnat de massage, Campeonato Ibérico de Massage. Elle y offrira son atelier de lifting ancestral. Inscrivez-vous sur le nouveau site de l'Association des massages. Elle sera également présente au Beauty Forum Paris à l'hôtel Pullman Paris-Bercy pour une démonstration de massage à quatre mains avec David Grant, champion de France et juge au championnat de France de massage. Cela aura lieu le 9 octobre. Oui, je vous attends au Beauty Forum, au Pullman Hotel. Mm-hmm. Ouais, ça va être magnifique aussi. Le Pullman à Bercy. Oui, Pullman à Bercy. Et bien sûr, en Espagne, à Marbella,
avec New Massage Association au championnat espagnol et portugais, donc Campeonato Ibérico de Massage. Mm. Voilà, ça c'est le 6 et le 7. Et je donne aussi un atelier, donc vous pouvez vous inscrire pour apprendre à donner le massage. Voilà. Alors on va continuer puisque je suis liftée d'un côté, comme vous pouvez voir. Mon œil ici est plus ouvert que l'autre. En fait, quand on a fini, si vous faites ça, vous allez amener l'énergie qui monte et vous allez pouvoir harmoniser. You can harmonize the energy of chi that you have brought up and just go around like this. Okay? If you don't have time. Et ça marche aussi. Mais donc, ça fait du bien de se masser. Vous allez pouvoir harmoniser, ok? Et l'énergie, llevándola, ok? Haciendo movimientos circulatorios. Alors, vamos a continuar, vamos a hacer el otro lado, ok? Si. Voilà, ça fait du bien. Je sens que l'énergie est fluide et puis je sens mon corps se réchauffer partout, pas juste au visage. Ella siente su cuerpo que ya comienza a calentarse, ¿ok? No solamente la cara, el cuerpo completo. Ahora, on amène vers le bas. Y vamos hacia abajo. Voilà, le front. Alors, ceux qui n'ont pas vu tout l'ensemble du vidéo, il va être disponible sur la page Facebook. The Massage World. The Massage World. So if you cannot see the entire massage from the beginning, you can review it on Massage World page, Facebook. It will, voilà. Alors, en même temps, je voudrais remercier tous nos collaborateurs, les ambassadeurs de World Wellness Weekend, surtout Julien, Elise, qui nous a permis d'avoir l'opportunité de mettre ce massage, cet atelier sur Massage World pour que tout le monde puisse en profiter. Et bien, de las gracias a todas las personas que han permitido, ok, que este taller se lleve a cabo hoy. Et je veux dire bonjour à Punta Cana, à Flavio Acuna, d'être là, à Krishna Mushinke, à tous les amis à travers le monde, d'être là. Je sais que vous êtes là, alors moi je peux pas vous voir, mais on se parlera plus tard. Alors merci de partager cet atelier. Bien, de las gracias a Flavio Acuña, Acuña de República Dominicana. Sí. Y en fin, de toda la gente que están presentes en este taller. Y Cristina. Y Cristina también. Cristina Mokenche de Ecuador. Ecuador. Oui. She's our friend in Ecuador where we... And all the students. We had the joy to meet a lot of people, about 65 new students. We learned some of the technique of Fian. Et on peut le faire sur la tête, ça fait vraiment du bien. Lo podemos hacer en la cabeza también. La cabeza, c'est ce qui est le plus important. Hein? Pas de cabeza, c'est fini. Hein? La cabeza es lo más importante. Si no tenemos cabeza, yeah. Estamos terminados. If you lose your head, you have nothing. Yeah, you lose one leg, you can still live. But head... Of course. Faut pas perdre la tête. Oui, faut pas perdre la tête. Non, non podemos perder la cabeza. Et faut être généreux aussi. Oui, faut être généreux dans la vie. Comme je vous vois pas, peut-être qu'il y a des commentaires et des questions qui se déroulent où tout le monde est tranquille. Non, tout le monde accepte de regarder avec plaisir ton travail. Donc, on va finir juste. On va terminer. Inspiramos, expiramos, llevamos la cabeza hacia abajo. C'est sûr que à un niveau plus loin, si vous connaissez des points d'acupuncture, je travaille beaucoup avec la baguette pour
défaire les nœuds, tout ce qui gêne au niveau des méridiens, les points d'acupuncture, je travaille beaucoup avec pour enlever les nœuds aussi. Mais ça, il faut connaître les points d'acupuncture, quoi. Ustedes pueden trabajar los puntos de acupuntura si los conocen, ¿okay? Sí. Como ella lo está mostrando, con el palillo. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, c'est important de connaître toutes les zones réflexes. Oui. Hay que conocer todas las zonas de reflejo. Comme ça. Alors, il faut faire attention de ne pas s'improviser facialiste du jour au lendemain. Et essayer de mimer quelqu'un sans comprendre le sens. Ça. No traten de imitar a nadie si ustedes no conocen el sentido. Quand on le fait sur soi, c'est une chose, et imiter quelqu'un sur soi-même, c'est à nos propres risques, mais sur quelqu'un d'autre, c'est peut-être trop risqué. Alors, soyez prudent avec l'utilisation des techniques. Si vous ne les avez pas appris directement de Fian, il est toujours préférable d'y aller prudemment dans ces techniques-là. So those techniques are from Fian. She developed the technique, and you have to be careful in using those techniques on somebody else. Usually, that's why we show a self massage. So those techniques are used on yourself. So if you do it wrong, it's only gonna do something for you or against you. But try to be careful when using those techniques on somebody else. Alors, je dégage un petit peu la clavicule. Et ce que je fais, c'est que je mets mes doigts comme ça sur la clavicule. Je fais bouger mes épaules, voilà, pour drainer, pour pomper, sans pomper comme ça, ok? Je bouge tout le temps. Ouais. Para hacer un bombeo, ella pone los dedos, okay, en la clavícula y ella hace movimientos, okay, como lo que está haciendo hacia arriba. Mamá, voilà, mamá, elle bouge pas, elle me est juste posée, c'est mon épaule qui bouge. Yeah. Su mano no se mueve, son los hombros los que se mueven. She doesn't really move the hand, it's really the shoulder that do the work. And everything is done gently. Everything is done gently. You don't have to use force or to be strong with it. You have to be gentle with yourself and with anybody else. For oui. That. En fait, le massage, l'œuvre de beauté, le massage ancestral, l'œuvre de beauté, c'est une forme de danse et de méditation pour trouver l'unité. So the facelift massage, l'œuvre de beauté, the opus of beauty, is a form of meditation and dance to find unity. El masaje ancestral, la obra de la belleza, es un masaje donde uno baila, pero también uno hace la meditación al mismo tiempo. C'est la beauté, c'est le bien-être à travers la beauté, sans artifice. Es el bienestar antes de la belleza sin ningún artificio. C'est ça la différence, c'est qu'on utilise très peu de produits à part de l'huile de massage et quelques outils comme ça peut être la baguette ou le gua sha où j'enseigne aussi, mais c'est sans artifice. On demande si l'activation du chi c'est dans la zone de la clavicule. Non, c'est en fait le chi il est partout dans le corps puisque le corps et le chi traverse tout le corps. Il n'est pas dans la zone de la clavicule. Il est, oui, mais il n'est pas que dans la zone de la clavicule. Il est partout comme ça. Voilà, il est partout. Ça, c'est les méridiens. Le chi parcourt tout le corps en entier. Okay. À travers ces méridiens. C'est une question en espagnol. Ok. El chi, ok, está en todas partes de nuestro cuerpo. No es solamente en la clavícula. Él pasa de todo el cuerpo. El chi quiere decir la energía. Oui, la clavicule, quand je fais comme ça, c'est pour drainer, c'est pour amener toute la lymphe qu'on a descendue, pour amener la lymphe dans la clavicule, pour que ça aille dans le système lymphatique. Quand Fian, lleva las manos hacia la clavícula, es para drenar la linfa. Cuando drenamos la linfa, ok. Todo va, ok, todo va a bajar y cuando vamos a,
hacer orinar, todas las toxinas salen por las orinas. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, that the opus of beauty, l'œuvre de beauté, is a massage, is beauty without artifice. So it's very, very different from other technique of massage. We use only massage oil, very few product, and a few tools also. So it's an ancient way of beauty, like Kobido, and this is what we want to offer. And Fian proposed only about 15 techniques today, but there is more than 500 or something like that? Yes, yes. The three levels of the training. So. Ok, alors Fian a démontré peut-être 15 techniques dans cet entretien. Et il en existe environ 500 techniques. Fian en possède dans les 500 techniques. Et ça prend plusieurs niveaux d'entraînement là, avant d'arriver à posséder tout ça. On pense qu'en trois niveaux d'entraînement, déjà le premier niveau, ça fait déjà une différence. It makes a difference already at level one. So if you think about following the cursus with Fian, we offer many school, and yeah, so there's about three levels that we could show people in right now, but there would be a lot more than that. If you want to be at her level. Yes, so rendez-vous à Marbella, donc le 6 et 16 octobre, donc au Palacio de, comment ça s'appelle, au championnat d'Espagne. Donc vous allez sur New Massage Association pour vous inscrire. Donc je donne un petit atelier de, je pense, 3-4 heures le matin, voilà. No olviden que Fian estará en España, en Marbella, el 6 y el 7 de octubre en el campeonato de masaje. Es el campeonato ibérico de masaje. Ella ofrecerá un taller de lifting ancestral. Se pueden inscribir en la nueva página web de la Asociación de Masajes. También estará el día 9 de octubre en París, en el Beauty Forum París, en el Hotel Pullman de Bercy. Oui, alors, donc, à Marbella et aussi au Pullman, au Beauty Forum le 9 octobre avec David Grand. Voilà. Donc, je vous dis joyeux Wellness Weekend. Hein? Et t'as, comme ça. C'est dur à faire. Oui. Hein? Voilà, donc merci à Jean-Guy pour cet événement qui nous a permis aussi de lancer nos formations, etc. Et aussi de réunir plein d'ambassadeurs et des gens de cœur qui offrent les ateliers gratuits pour cette journée, pour la célébration. Et puis je vais être aussi au Vietnam, au Alba Wellness Valley avec Nyoman Namasta. Et je remercie cette opportunité. Et puis suivez-nous sur Facebook, Instagram, et on se voit bientôt. Alors je vous embrasse tous. Bye. Bye. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye. Merci à tous d'avoir accepté de venir nous voir pendant une petite heure. Oui. Au revoir.